D'abord, j'ai été client de Façade Savoyarde. De fil en aiguille, je suis devenu poseur pour eux. Sachant les techniques de pose, je suis parti là-dessus. C'est sur le tas avec les collègues qui ont plus d'expérience, que ce soit mon binôme qui a un an d'expérience ou que ce soit des gars qui ont 5 ans d'expérience. On apprend du début, les départs bas, les types de coupes. J'ai quand même eu un ou deux jours avec mon chef, donc Cyril, pour m'expliquer tous les profils de coupe. Et c'est vrai que si on n'est pas dedans à la base, on ne sait pas quoi. C'est juste savoir utiliser une cisaille droite, une gauche, les coupes avec des fausses équerres. Rien de sorcier, c'est juste de la minutie et faire attention aux détails. Ce qui est un peu particulier ici, c'est que c'est chez moi et que je pose mon propre chantier de ma propre maison. Et moi qui suis une nature plutôt pointilleuse, je fais pour en sorte que tout aille bien. Quoi. C'est vrai que c'est pas le métier sur lequel il y a le plus de communication. On parle beaucoup des rénovations énergétiques, mais on parle pas forcément du métier de poseur. Enfin, tout le monde est capable d'y arriver, après il faut juste vouloir y arriver.